Bienvenue. C'est ma femme. Good evening. President Deby and I had the opportunity to discuss the relations between our two countries and the way we can cooperate for the betterment of our peoples and for peace and security. And I'm delighted that my wife Sarah and I can welcome you to our home. And your delegation. Et les délégations aussi. We'll continue our discussions, and I think they're going to be very fruitful. I think the historic visit of President Deby to Israel marks a new era. A new era for security, for cooperation, and for peace. And I welcome you in this spirit to our home here in Jerusalem. Welcome, sir. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement de l'invitation que vous m'aviez faite pour venir dans votre beau pays, ici, avoir la possibilité d'échanger avec vous. Comme vous l'avez dit, je pense que le plus important, c'est en fait, disons, la volonté de reprendre nos relations diplomatiques. Dans un nouveau cadre renforcé, une coopération renforcée bénéfique pour les deux pays. Le Tchad est un... Dans son histoire, le Tchad est un pays qui a souffert aussi des affres de la guerre. Et aujourd'hui, comme vous, nous aussi, nous faisons face à ce phénomène de terrorisme qu'on appelle, qui est un mal du siècle. Il n'y a rien de plus cher que la paix et la stabilité pour un peuple. Je voudrais donc encore une fois de plus vous remercier pour nous avoir conviés ce soir à un dîner. Surtout accompagné de votre épouse qui est là, ici. J'espère très bientôt que les choses vont entrer dans l'ordre, nos discussions vont continuer. Les relations seront consolidées. Et c'est un pas vers, je pense que la paix, vous avez fait déjà beaucoup. Votre dernière visite à Oman est un signal très fort. Le dialogue que vous avez aussi avec les pays arabes, les dirigeants des pays arabes, ça aussi c'est un signal très fort. Je souhaite de tout cœur que la paix et la stabilité pour cette région, pour les enfants, les filles et fils de cette région, et que les gens vivent en paix, que bénéficient, en fait, disons, les atouts, les bénéfices de la paix. Vous avez fait la guerre, moi j'ai fait la guerre. Et nous connaissons le prix de la guerre. Oui. Parce qu'il n'y a rien de plus important que le dialogue.
rien ne vaut le dialogue. Même si les extrémistes, en fait, disons, peuvent contrarier des bonnes décisions. L'histoire donnera toujours raison à la sagesse. En tout cas, merci, Monsieur le Premier ministre, de m'avoir donné cette opportunité. Et puis, j'espère que, comme je l'ai dit, nos relations seront des relations très, très fortes. Indeed. Thank you.